soit avec du vin sucré, soit avec des chardonnays, c'est sucré acide, ou avec des compotes de fruits. Donc pour moi, le foie gras, c'est sucré. Enfin, je résume un peu, je prends les raccourcis, mais pour moi, le foie gras a vraiment un lien avec le sucré. Because we often consume foie gras with sweet wines or even fruits garnishes and things like that. For me, it's a sweet flavor, so it's, I'm taking a shortcut, but I really think of foie gras as something sweet. Ensuite, je cuis, je fais un bouillon de volaille sucré. Then I make a sweet chicken broth. La recette est dans le livre Macaron. The recipe is dans lequel j'ajoute du sucre, bien sûr, du sel. Et je mixe le bouillon de volaille avec le foie gras. Et ensuite, je le fais gelifier. Then I mix the chicken stock, the sweetened chicken stock with the foie gras, and I make it gel. Parce que j'ai voulu enlever la sensation de gras du foie gras. Donc j'ai légèrement, le fait de mélanger avec le bouillon de volaille, ça amoindrit le côté gras du foie gras. I want to remove the fat mouthfeel of foie gras. So by mixing it with the stock like that, it removes that fattiness. Et ensuite, la ganache, c'est une ganache au chocolat au lait. Parce que si on prend du noir, on est trop fort. On ne crée pas un équilibre avec le foie gras. Le fait de prendre un chocolat au lait qui est très fort en cacao, qui a 45% de cacao, ça permet d'avoir un bon goût de chocolat et de garder le chocolat et le foie gras au même niveau. So then we mix it with a milk chocolate that is 45% cacao. So pretty strong milk chocolate, but if we use dark, it will overpower the foie gras, whereas this it keeps it right on balance, and both the foie gras and the chocolate have really equal amounts of flavor. Parce que d'abord, quand on goûte le macaron, on sent le chocolat, et puis ensuite arrive le foie gras, on termine avec le foie gras. Et j'ai voulu justement garder créer cet équilibre parce que autant que je peux aimer un foie gras avec du chocolat, un foie gras que je mange en entrée avec du chocolat, autant là je me disais qu'il faut d'abord que ce soit le chocolat il y a, dans le scénario c'est le chocolat qui a le premier rôle et le foie gras le second rôle. Because that way you start with the chocolate is the first flavor you get, then you get the foie gras, and as much as I like to have foie gras and chocolate as an appetizer, for example, in this case I wanted chocolate to have center stage, and then you get the foie gras as a secondary role.